vous allez rejoindre sur le terrain, au bord de la faille de l'Allemagne, où nous avons densifié notre réseau de capteurs sismiques. Bon, je te brief rapidement. Le centre d'observation sismique de Grenoble vient de nous informer qu'un fort séisme s'est produit dans les Alpes. Cet événement pourrait avoir fragilisé la faille de l'Allemagne. Nous irons détecter de petits mouvements anormaux et devons donc vérifier la bonne marche des capteurs sismiques installés dernièrement. Regardez. Nous sommes ici sur une ancienne faille d'impact. Les deux blocs de part et d'autre de la faille se sont éloignés l'un de l'autre. On voit bien que le compartiment de l'animal s'est affaissé par rapport au plateau de l'eau. Le bon fonctionnement du capteur est capital, car il détecte les différentes ondes émises lors d'un séisme. Tout d'abord, les ondes P, longitudinales, première à arriver. Puis, peu après, les S, seconde, dite transversale, plus méchante, et enfin les ondes L et R de surface, à la géométrie plus complexe, on voit les différentes directions de mouvement. Ne bougez pas!